아, 여자친구는 그 제가 유튜브를 하고 있잖아요. 근데 만약에 여자친구가 있었다면 좀 유튜브 할 시간이 없지 않았을까라는 생각을 좀 했습니다. 저는 분명히 야쿠르트 선생님이 오신다고 들었는데 웬 영화 배우 한 분이 들으셔가지고 굉장히 길트라고 좀 똑똑해요. 그래서 되게 선호영향으로 미치는 별점이 많은 사람이구나. 이런 사람이랑 결혼을 하는 여자는 전생에 나라를 구했다. 그런데 그와 가깝게 지낸 여성들이 신체 고통을 호소하고 있다는데요. 처음 느끼는 통증이에요. 칼로 계속 남도질하는 그런 느낌이 들고요. 예? 그 부분에 화상을 입은 같은 느낌이 얼마나 고통스럽겠냐고 죽고 싶은 생각을 처음 들었다는 정도입니다. 피해자분들이랑 연락되세요? 지금 사과 말씀이나 합의 같은 거 진행하고 계시고요. 피해활동을 표방하던 가해자가 상대방의 건강에 대한 배려를 전혀 하지 않고 도외시했다는 점에서 결코 가볍게 볼 문제는 아닌 것 같습니다. Bonjour les fans de K-pop, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo OMG un tout petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui on ne parlera pas de musique, on ne parlera pas de drama, mais on parlera d'une histoire controversée autour d'un youtubeur coréen. J'ai appris l'existence de cette affaire par la chaîne YouTube Crazy TV que je vous conseille de regarder et que je mettrai en description. Puisque évidemment, ma vidéo en sera grandement inspirée. Cette vidéo sera sûrement assez courte, mais elle est très importante pour moi puisqu'il y a peu d'informations, mais beaucoup de choses à dire. L'intro étant passée, laissez-moi vous raconter l'histoire des deux facettes autour de ce youtubeur. Aujourd'hui, on va donc parler d'un youtubeur slash pharmacien coréen qui s'appelle Yakult. À ce que j'ai compris, le mot Yakult est en fait un jeu de mots avec un yaourt très connu au Japon, mais aussi Yak en coréen veut dire médecine. Yakult, comment on dit Yakult, Yakult, Ya... Yakult. 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 Yakult, tout simplement Yakult. Pendant l'été 2018, celui-ci racontera avoir reçu des conseils d'une voyante d'astrologie pour lui dire de se lancer sur YouTube. Yakult, suite à ce conseil, a débuté sur YouTube en novembre 2018, à l'âge de 32 ans, sur le thème de son métier, pharmacien. Il donnera des conseils sur des médicaments et sur la santé pour éduquer les gens dans le domaine médical. Car mine de rien, il est vrai qu'on accepte qu'un médecin nous prescrive un médicament sans même vérifier le contenu et les effets secondaires. Celui-ci a même sa propre pharmacie pour qu'on puisse acheter ses médicaments. Je vous vois déjà venir et vous allez me dire « Ok, il est juste connu parce que c'est un pharmacien et un youtubeur ?» Et je vais vous répondre « Oui ». En partie, puisque la première caractéristique de sa popularité, c'est pas forcément son intelligence, mais surtout sa beauté. Oui, si tu recherches des vidéos ou des informations sur lui, eh bien, la plupart du temps, dans les titres, c'est concentré sur sa beauté. Évidemment que les filles adorent ce mec, parce qu'il est beau, il est intelligent, il a étudié dans des grandes écoles, il parle bien, bref, un peu le mec parfait. Le OPA coréen disponible et accessible puisque contrairement aux idols, étant un youtubeur, tu parais beaucoup plus facilement accessible aux autres. Il obtiendra pas mal de reconnaissance suite à une vidéo qui exprime 11 raisons de ne pas prendre un certain type de médicament. Je ne suis pas pharmacienne, je ne suis pas médecin et je vous avoue que j'ai pas trop compris donc je cherche pas forcément à vous dire le nom du médicament, tout ce que je sais c'est que celui-ci a dit que c'était pas bien. Et du coup, ça a fait le buzz sur YouTube. Grâce à cette vidéo qui justement a fait le buzz, celui-ci a empêché plusieurs médecins à arrêter d'utiliser ses médicaments et surtout à protéger leurs patients. Il a commencé à grimper vers les 240 000 abonnés, apparaître dans des radios, des shows télévisés. Il a plusieurs photos avec des idoles reconnus comme Yujin des Hive, Yewon ou encore Yongdeon du duo célèbre Donnie et Connie.
Il a aidé pas mal d'animaux abandonnés, il a fait beaucoup de bénévolat, des dons. Encore une fois, celui-ci semble être le oppa coréen tombé du ciel pour beaucoup de femmes. En plus d'avoir une personnalité en or, celui-ci parlera très souvent de santé féminine sur sa chaîne. Ce qui donnera aux femmes une raison de plus pour se sentir en sécurité. C'est bête, mais c'est rare qu'un homme ose parler de santé féminine sans tabou, et ça donne réellement une vision d'un homme parfait qui sait prendre soin d'une femme. Et je vous vois encore venir, vous allez me dire « mais ça paraît trop beau pour être vrai ». Et en soi, vous avez plutôt raison. En effet, il y a bien un scandale qui a touché le médecin le 24 février 2020, mais rien de bien méchant. Celui-ci a déclaré dans l'onglet communauté de sa chaîne YouTube un post par rapport au temps de réponse que le gouvernement prend pour le Covid. Pour lui, cela aurait dû être plus rapidement compris. Malheureusement, certains ont vu dans ce scandale un discours politique. Il s'excusera un peu plus tard, disant que ce poste n'avait pas pour but politique, mais simplement médical. Bizarrement, ce qui a fait polémique, c'est cette publication, mais il y a des choses que les gens ont remarquées bien plus tard. Celui-ci se fera défendre par des personnes que l'on nommera pro-Yakult. Ils s'amuseront à insulter les Antilles, donner des surnoms ridicules du style « les non-civilisés », « vous êtes fous » ou encore « tête de cochon » à ceux qui osent mal parler de lui. Mais ce qui personnellement m'a un peu plus choqué quand j'ai lu les articles, c'est que le youtubeur like les commentaires insultant les personnes pour simplement avoir dit que son discours pouvait être considéré comme politique. En soi, le fait qu'on pense que c'est un discours politique, bon, c'est une chose. Le fait qu'on veuille le défendre, c'est une chose aussi. Par contre, le fait de vouloir l'insulter, c'est moyen, mais en plus de liker les insultes, ça incite un peu à la haine. Mais bon, c'est pas un scandale qui va faire tant de bruit que ça, et c'est pas si grave par rapport à ce qui va suivre. Non, en fait, le vrai problème avec ce pharmacien parfait va arriver bien plus tard. Un post d'une femme va apparaître sur internet avec comme titre « Nous exposons le pharmacien youtubeur ». Cette femme racontera que celui-ci lui a gâché la vie. Elle parlera d'abord de leur rencontre, expliquant qu'elle a été abonnée, regardé ses vidéos et qu'ils se sont rencontrés en ligne. Selon elle, elle a commencé à parler sur Instagram et lui aurait répondu. À ce moment-là, le youtubeur semblait être une personne parfaite, gentille, ouvert d'esprit, qui a de la conversation. Bref, ils commencent tous les deux à avoir une relation, et plus si infinité, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas le droit de dire le mot sur YouTube, donc on essaie de faire passer le message comme on peut. C'est après quelques mois que cette pauvre femme se rend compte qu'elle a de grosses douleurs au niveau de l'aine et de l'estomac. Cependant, elle prendra pas forcément ces douleurs en considération. Yakult, donc le pharmacien slash youtubeur, va lui demander de passer des tests pour l'herpès, parce qu'ils ont eu à plusieurs reprises des rapports sans protection, parce que je cite « cela le gênait pendant les rapports » et qu'il a eu peur d'avoir une maladie et de lui transmettre. Alors oui, là il y a beaucoup de choses qui ne vont pas spécialement, genre d'où tu mets pas de protection parce que ça te gêne, et d'où tu entames des rapports sans protection sans avoir vérifié avant en tant que pharmacien. Cette fille a fait les tests, elle les envoie au pharmacien qui dira par la suite à cette femme « Ne t'en fais pas, il n'y a rien ». Bon, bah y a rien, la femme elle est rassurée du coup. Enfin, qui ne pourrait pas croire un pharmacien qui te dit qu'il y a rien? Il connaît son métier quand même. Malgré tout, après quelques jours, le youtubeur lui envoie un mystérieux message par la suite en disant « Tu le sais aussi, n'est-ce pas? Je suis désolée, mais rompons ». Évidemment, elle est follement amoureuse, elle comprend pas la situation jusqu'à ce que elle tombe d'un coup sur un post internet vraiment sombre qui parle justement de Yakult. Ce post raconte qu'elle a chopé l'herpès de type 1, une maladie virale et contagieuse sexuellement transmissible. Dans ce post, il s'agit du même style de message, même style de rencontre, même style de mode opératoire que ce que notre protagoniste a connu avec ce youtubeur. Elle se rend compte que elle aussi, finalement, elle a contracté l'herpès mais de type 2, et elle se rappelle que le pharmacien devait être au courant et qu'il a vu les tests, mais qu'il ne lui a rien dit. Bon, à ce que j'ai compris avec les recherches que j'ai faites et avec la vidéo de Crazy TV, l'herpès de type 1 est facilement transmissible, mais ce n'est pas trop grave, alors que l'herpès de type 2, c'est quelque chose que tu traînes toute ta vie, c'est hyper transmissible, tu peux le donner à ton bébé, tes partenaires, et surtout c'est
incurable, contrairement à l'herpès de type 1. Donc en gros, tu l'as chopé, tu peux plus rien faire, tu peux pas te soigner. Je tiens à le rappeler parce que c'est très important, encore une fois, je ne suis pas médecin ni pharmacienne, c'est pour ça que j'ai fait un résumé très rapide de ce qu'est l'herpès de type 1 et de type 2. N'hésitez pas, si vous êtes pharmacien ou médecin, ou que vous faites des études, à me reprendre si j'ai dit quelque chose de faux par rapport à l'herpès, parce que c'est fort probable. Et d'ailleurs, si certains veulent faire une sorte de définition plus complète, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, j'essaierai de l'épingler si je peux. Bref, pour en revenir sur notre youtubeur, c'est quand même une grande manipulation de sa part, puisque les filles ne se douteront que trop tard de ce qui se passe par la suite. Évidemment, en Corée c'est considéré comme un crime, mais tu dois absolument prouver qu'il était au courant qu'il avait l'herpès et qu'il a fait exprès de te le donner. C'est assez horrible parce que ces deux jeunes femmes semblaient assez jeunes, elles semblaient vouloir des enfants plus tard, et finalement elles sont condamnées parce que monsieur ne voulait pas avoir de rapport, parce que ça gênait monsieur d'avoir un préservatif. Comme ça je l'ai dit. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'était le premier à parler dans des télés pour dire qu'il faut bien se protéger, faire attention aux maladies, mais derrière, il forçait des femmes à ne pas avoir de protection parce que ça le gêne, et en plus, il leur donne une maladie. Le problème dans l'histoire, c'est que les filles racontent que le statut de pharmacien qu'il avait influençait pas mal les filles à penser que bah c'était pas grave, il savait ce qu'il faisait. Attends, il est pharmacien ? En plus, il est réputé pour être super sympa, pour connaître, donc pourquoi je m'en douterais ? J'étais fan de Yakulk, mais après avoir été traitée comme un rien de plus qu'un partenaire sexuel, j'ai obtenu une blessure dont je me débarrasserai jamais pour le reste de ma vie. Il a continué à avoir des rapports sexuels avec moi, sans protection, alors qu'il connaissait son état, et il m'en a pas parlé à l'avance. Et une fois qu'il a su que j'avais contracté l'herpès de lui, il m'a évité et m'a abandonnée. Et même après cela, il est venu me voir pour m'utiliser comme jouet sexuel. Je suis blessée plus émotionnellement que physiquement en conséquence. Je n'ai pas d'autre choix que de vivre avec son virus pour le reste de ma vie, mais j'espère que cela n'arrivera à personne d'autre. Après avoir pris son courage pour poster et raconter son histoire sur internet, notre protagoniste au bout d'une heure supprimera celui-ci pour dire « Je vais retirer ce post parce que cet homme m'a appelé et il m'a dit qu'il viendrait se suicider. » En fait, Yakulk serait apparemment venu devant son appartement pour toquer plusieurs fois à la porte pour la forcer à supprimer ce qu'elle avait écrit. Il a crié se suicider si elle ne retirait pas ce poste et il lui a fait du chantage affectif. Et ouais, le pharmacien parfait qui agit comme un manipulateur pervers. Vous vous en doutez, suite à cela, celui-ci a répondu et a donné sa version des faits. Elle ne diffère pas tellement de celle des deux femmes. À un seul truc près, c'est que d'après lui et d'après des tests, il est négatif à l'herpès de type 1 et de type 2. Et en effet, il y a marqué négatif. Le problème, c'est qu'on voit bien que ce test a été fait en tant que test d'urine. Sauf que c'est impossible de savoir officiellement si t'as vraiment l'herpès avec un test d'urine, faut un test sanguin pour ça. Et en tant que pharmacien, normalement, il est censé savoir. À mon avis, et je pense à l'avis de plein de gens, il nous a clairement pris pour des teubés. Il a cru que ça allait passer et que, tranquille, on n'allait pas se rendre compte. En réalité, cet homme ne fera que manipuler un maximum de personnes. Ça me fait un peu penser au premier scandale qu'il a eu en likant les commentaires. Sauf que cette fois, bah ça marche pas. Il aura beau menacer ses ex, leur dire de ne rien dire, que c'était de leur faute par téléphone, ou encore de trouver une issue. Non. Sa chaîne YouTube, suite à cela, sera supprimée de son plein gré et on apprendra en mai 2022, donc assez récemment finalement, qu'il est reconnu coupable de propagation délibérée de MST. Comme l'accusé est pharmacien, il est établi que ses actes étaient délibérés. Comme l'accusé avait le virus de l'herpès type 2 et que les victimes présentaient des signes précoces du virus, il est impossible de nier la relation. Donc, ouais. Pour résumer, le beau pharmacien youtubeur hyper intelligent est finalement un manipulateur qui a donné des MST consciemment à ses abonnés pour la simple envie de ne pas avoir des rapports avec une protection ou même de prévenir. L'homme que l'on considérait comme parfait et sans défaut a finalement eu une double facette derrière les caméras. Si j'ai fait cette vidéo assez courte, c'est bien pour vous montrer de ne pas faire confiance à n'importe qui sur les réseaux sociaux, même si sa personnalité semble parfaite. Avant de sauter pieds joints dans les dires de quelqu'un, eh bien, prenez le temps de faire vos propres recherches. Prenez le temps d'apprendre à connaître une personne. Ne sautez pas dans les bras de quelqu'un que vous ne connaissez pas, moi y compris. Pour moi, c'est important de montrer que parfois, faut prendre du recul dans certaines situations.
y compris parfois dans ce que je dis dans mes vidéos. Je vous invite à faire vos propres recherches, à faire vos propres histoires, à faire vos propres vidéos et à ne pas écouter tout ce que je dis comme la vérité pure et simple. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous aimez le fait que je parle de youtubeurs coréens et que vous voulez que je parle de d'autres youtubeurs coréens, il y aurait plein de choses à dire finalement sur des youtubeurs coréens. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour le référencement. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de vidéo. Et puis ben, on se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Time is flying, the time is flying.